Salut tout le monde, avant que la vidéo ne commence, j'avais envie de vous faire un petit message audio. Tout d'abord, vous remercier pour les 4500 abonnés, ça me touche beaucoup étant donné que ces derniers temps, je poste un peu de moins de vidéos. Cette vidéo, vous avez été assez nombreux à me la demander, cette build pour mon Salvador Smash, donc j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Je m'excuse si la qualité de ma voix, enfin si mon commentaire n'est pas aussi bon qu'à l'époque, entre guillemets, vu que j'ai fait un petit peu moins de vidéos, j'ai un petit peu perdu. Donc, je m'excuse par rapport à ça et j'aurais également une petite question à vous poser. C'est qu'en fait, j'aimerais lancer une série sur les jeux online, c'est-à-dire les petits jeux flash, quoi. Vu que je sais que ça existe beaucoup des séries sur les jeux indépendants en France. Je sais pas trop si ça existe beaucoup de séries sur les jeux flash ou tout du moins si c'est populaire ou pas dans le sens où si c'est fait par des très gros youtubeurs ou pas. Donc, je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. Quel nom pourriez-vous donner à cette série et est-ce qu'elle vous plaît? Moi, je vous laisse tout de suite pour la vidéo. J'espère vraiment que ce petit message vous aura fait plaisir. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci la vidéo de présentation des compétences de mon Salvador Smash, qui est un Salvador qui va être basé sur la Sandok et le billet accompagné du chaotique Evil Monk. Donc, je vais vite fait voir, comme à chaque vidéo début de présentation des compétences, s'il n'y a pas quelque chose de disponible en haut, s'il n'y a pas quelque chose d'utile que j'ai en rab, et donc ensuite je vais foncer chez Marcus où je vais vous tester tout ça. Donc là, ce bar, non, toute cette merde. Ok, il n'y a rien d'intéressant, donc je vais me rendre chez Marcus. Donc avant toute chose, je vais vous montrer mon apparence et ma tête. Donc la tête, c'est Brutus Lanceur et l'apparence, c'est Bleu dans l'âme, donc les deux se trouvent juste ici. Donc c'est vraiment mes apparences favorites par rapport à Salvador sur ce Borderlands. D'ailleurs, de toute façon, ce que je viens de dire est complètement con, étant donné qu'il n'y a pas de Salvador dans un autre Borderlands, avec une voix d'ailleurs d'homme riche, ma foi. Enfin bref, donc c'est parti. Donc voilà la build, qui est une combinaison entre surarmé, mis à fond, un tout petit peu dans Carnage, et un peu dans Force de la Nature. Mes Brutas sont à 130 000, ce qui fait donc que l'on a une augmentation des caractéristiques. Généralement, c'est une augmentation de 18, voire 19%. Et donc, c'est parti. Donc, la première compétence, c'est Défroyage. Lorsqu'on appuie sur F, on permet d'avoir une arme, généralement notre seconde arme dans la main. Donc, par exemple, c'est ces deux armes ensemble ou ces deux armes ensemble. Si on a celle-là, dans la main droite, dans l'arme principale, quand on active la compétence, on aura la Sandok dans l'autre main, etc. Et donc c'est une compétence qui permet de régénérer notre vie et nos munitions quand elle est activée, et elle régénère également une santé, et on régénère la moitié de notre vie lorsque l'on l'active. Pour la compétence, c'est Arabord qui augmente la taille du chargeur de 25% et la capacité en munitions de 15%. Ensuite, il y a les réflexes qui augmentent votre vitesse de rechargement et vos dégâts au corps à corps. Donc, vitesse de rechargement, plus 25%, dégâts au corps à corps, plus 20%. Vous pouvez constater, la vitesse de rechargement est de 2,3 secondes. Et grâce à cette compétence, on la baisse à peu près à 1,7. Ensuite, dans l'arborescence surarmée, qui est l'arborescence la plus importante de cette build, il y a tout d'abord recharger à bloc, recharger votre arme, vous confère un bonus de 15 tirs pendant un bref moment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dès que je suis plus un défroyage. Vous pouvez constater, là j'ai l'icône qui vient de s'effacer. Donc regardez, voilà ma 15 de tir normale, et lorsque je recharge, la 15 de tir est un petit peu, voire même beaucoup plus importante. Donc 15 de tir augmenté de 25%. Fait une gâchette, augmente la vitesse d'échange d'armes et les dégâts au coup critique de tous les types d'armes. Vitesse d'échange d'armes, plus 35%, dégâts au coup critique, plus 10%, ce qui est très pratique, surtout pour faire par exemple un switch Harold et Grog Nozzle pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Hein. D'ailleurs, je vais juste... Allez, voilà. Je suis pas mal, hein, je build pas mal. C'est d'ailleurs, selon moi, la build la plus efficace pour Salvador. Ensuite, il y a un seul surfit, changer d'arme vous fournit un bonus de dégâts au tir suivant. Donc là, vous voyez, j'ai le bonus de dégâts, donc la petite icône avec une main et une balle en main. Je tire, ça fait 26 millions. Je retire, ça fait 32 millions, 10 millions, etc. D'ailleurs, je viens de ne point comprendre le délire, vu que j'ai fait plus de dégâts après qu'avant. Donc j'ai dû mal le toucher. Faut plutôt prendre, voilà, avec cette arme-ci.
Ça va être beaucoup plus efficace avec un grog nozzle qu'avec une sandoc, parce que la sandoc, vu que ce n'est pas une arme qui tire une balle saine, entre guillemets, enfin une balle unique, bah c'est difficile de faire des tests de dégâts. Donc là, une balle, 1 500 000, et deuxième balle, 2 300 000, vu que je l'ai slagué. Je n'arrive pas à vous montrer cette compétence. Est-ce que je n'ai pas une arme bien qui ne va pas slaguer la moitié des ennemis du jeu de merde, là? Voilà, on va prendre ça. Donc échange d'armes, on a 7 600 000, et ensuite on a 7 200 000, donc les 40% sont enlevés. Voilà, j'ai réussi à vous le montrer après environ 20 millions d'essais. Ce jeu de merde veut pas que je montre mes compétences. Ensuite, il y a tir de la chance. La dernière munition de votre chargeur bénéficie d'un bonus massif de dégâts. Donc, dernière munition de votre chargeur inflige jusqu'à plus 880% de dégâts. Donc, plus le chargeur est petit, moins le bonus est important. Mais cette compétence fonctionne pour tous les types d'armes, et donc la taille minimale du chargeur pour avoir un bonus complet, donc de 880% de dégâts, c'est de 10. Et donc elle est boostée de plus 6 points via le mode de classe Chaotic Evil Monk. Donc regardez, je vais vous montrer un petit peu le délire. Donc voilà, là il est slagué, vous pouvez constater. Le tir a fait 300 millions de dégâts, alors qu'un tir normal en fait 30, donc à peu près le dernier tir multiplié par 10. Donc ça, c'est vraiment la compétence la plus utile. Ensuite, il y a salade de plomb, tu as un ennemi, augmente la 15 de tir et les dégâts en critique de toutes les armes. Cet effet ne dure qu'un court instant, donc 15 de tir plus 40% des dégâts en critique des armes plus 25%. Ensuite, à terre vénère, on peut défroyer lors du combat pour la survie, qui est très pratique. C'est chaud bouillant pendant le temps de latence du défroyage, vous profitez d'un bonus de dégâts des armes, des grenades et au corps à corps. Donc dégâts des armes plus 25%, dégâts au corps à corps plus 30%, dégâts des grenades plus 25%. Et ça, c'est très pratique parce que on peut mettre notre défroyage en latence. Et c'est pas, par exemple, pour faire des speed kills, j'active le défroyage et ensuite je lâche toutes mes armes sauf une pour que le défroyage s'enlève. Et ça met donc le défroyage directement dans son temps de latence. Donc je vais vous montrer en coup critique ce que cette arborescence peut donner juste après. Une fois le défroyage terminé. Ensuite, il y a tuer une super lorsque vous tuez un ennemi. Les dégâts de vos armes profitent d'un bonus égal à la quantité de dégâts superflus infligés à cet ennemi. Via cette compétence, la dernière balle fait 10 fois plus de dégâts. Donc l'avantage, c'est de vider vraiment la vie de l'ennemi avec votre chargeur. Et ensuite, une fois qu'il a plus beaucoup de vie, videz tout votre chargeur jusqu'à ce que vous soyez au dernier tir. Ensuite, tirez sur l'ennemi. Vous allez donc faire une quantité de dégâts superflus qui sera ajoutée à tous vos prochains tirs. Par exemple, avec la Sandoc qui tire 10 ou 11 munitions en un seul tir. Et bien, si par exemple, on a des dégâts superflus de 20 millions, et ben, les 10 balles auront 20 millions de dégâts supplémentaires. Ce qui fait donc qu'en une balle, on peut faire, même sans avoir le bonus tir de la chance, plus de 1 milliard de dégâts. Ce qui fait vraiment que c'est la meilleure arborescence possible. Et ensuite, dans Force de la Nature, on a incitation sur des dégâts infligés par vos ennemis, augmente vos vitesses de déplacement et de rechargement pendant quelques secondes. Donc, vitesse de déplacement plus 30%, vitesse de rechargement plus 25%. Amiante réduit la durée des effets de statut qui peuvent vous affecter. Donc durée de l'effet négatif, moins 80%, boosté par le mode de classe, c'est une compétence super utile, vu qu'on va très peu utiliser le défroyage, et bien le heal va être un peu plus difficile avec cette classe. Mastodonte, tu es un ennemi, réduit tous les dégâts que vous subissez pendant quelques secondes, donc réduction des dégâts plus 1%. J'ai plus de chunga, augmente la 15 de tir de tous les types d'armes lorsque vos boucliers sont épuisés, 15 de tir plus 35%. Et reste de lucide augmente les dégâts que vous infligez avec tous les types d'armes. Plus votre santé est basse, plus le bonus de dégâts est élevé, donc jusqu'à plus 40% de dégâts des armes. Et donc justement, via le Hoplite, on peut mettre notre santé à 1, ce qui fait donc qu'on va avoir le plus 40% de dégâts. Donc je vais juste attendre que voilà ma compétence s'arrête. Et bien entendu, j'ai fait du caca, j'ai tiré une balle que je n'aurais pas dû tirer. Voilà. Donc je vais slaguer et vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Merde. Donc pour ce qui est des équipements, j'utilise la Flying Sandoc en dégâts feu, électrique et corrosif, le trespasseur, les Lady Fist, je vous les recommande avec le préfixe Radiant dans tous les dégâts. Ils sont très pratiques parce que justement avec la compétence qui augmente la puissance du dernier tir, si on tire en coup critique, eh bien on fait des et on one shot l'ennemi, ça c'est sûr, et on a un bonus de dégâts superflu énorme, et donc avec la compétence tuer ne suffit pas. Notre quantité de dégâts ajoutés aux munitions, justement par exemple à la Sandoc, sont extrêmement élevés. Regardez en coup critique ce que ça donne, on arrivait à faire du 600 millions. Je vais vous montrer ce que ça peut faire avec une petite Redundant l'édifice. Donc à savoir que
que justement, avec la Sandok, c'est pas tout à fait efficace, étant donné que là, il n'y a que 3 balles qui ont dû le toucher. Si toutes les balles le touchent, on peut faire facilement en critique plus de 1 milliard de dégâts. Et donc là, on a fait plus de 1 milliard de dégâts avec notre petite Ladyfish, ce qui fait donc que c'est une arborescence très pratique. Je vous recommande également les interfaceurs, le Logan's Gun pour recharger vos munitions de lance-roquettes, le Norflick dans tous les dégâts, os d'ancien feu électrique et corrosif, ainsi qu'une assigne de shérif, le Long Bow Slag Bouncing Betty ou à la place des Crossfire avec des Magic Missiles et des Slag Singer Larity Level, le Hoplite, le Zubi dans tous les dégâts, ainsi que le Shame et le Quick Shield qui lui va être très pratique parce que quand notre bouclier se vide, je vais essayer de vous le montrer quand le bouclier se vide, je vais prendre voilà le Grounded, je vais vider mon bouclier, eh bien on doit attendre un certain temps avant que le bouclier ne se recharge. Ce qui est parfaitement normal. Mais quand le bouclier est vide et qu'on est en combat, on peut switcher par exemple dans un combat de boss avec le Quick Shield qui va instantanément recharger notre bouclier et ensuite remettre le Zubi vu que le Quick Shield a la même quantité de capacité que le Zubi sauf qu'il se recharge beaucoup plus rapidement, ce qui fait que dans les combats contre par exemple Voracide, on peut avoir le Zubi beaucoup plus souvent. Donc voilà, c'est tout pour la présentation des compétences. On va tout de suite passer à la partie test. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Allez, à tout de suite. Nous revoilà pour la partie test. Cette fois-ci, ça va être tout d'abord contre les mobs et ensuite contre un boss invincible en l'occurrence. Pyro le ouf, vous pouvez constater que cette arborescence, que ce soit avec ou sans le Zubi, est vraiment très très efficace. Les dégâts qu'on fait sont assez importants, quand même très importants. Le petit défaut, c'est que elle est assez difficile à recharger au niveau de la vie, comparé par exemple à d'autres classes comme l'assassin ou la sirène. C'est vraiment le gros défaut de cette classe-ci. Et également un autre petit défaut, c'est que c'est difficile de mettre du slag sur les ennemis. Vous pouvez constater, le défroyage est utile quand même de temps en temps lorsque l'on est surpassé par le nombre d'ennemis. Mais honnêtement, cette arborescence n'est vraiment pas faite pour le combat en masse, pour le combat contre autant d'ennemis. Elle n'est pas faite pour le mobbing. Cette classe est vraiment faite pour le farm d'invincible quelconque, excepté le farm de Voracide ou de Dexidius, parce que c'est deux créatures qui sont très difficiles à tuer avec cette classe. Et donc là, je vais faire le test contre Pyrolouf. Donc je mets ma compétence en recharge, comme je vous ai dit dans la présentation des compétences. Ensuite, je lance des petits Magic Missiles pour slaguer notre petit Pyro le ouf. Ensuite, je lance à nouveau des Magic Missiles pour pouvoir slaguer les petits ennemis qui spawnent. Je les tue en utilisant le Badaboom, qu'est-ce que je raconte, le lance-roquette que j'utilise, comment est-ce qu'il s'appelle, le Nukem. Donc ça me permet d'avoir des dégâts superflus ajoutés aux armes, comme par exemple à la Sandok, qui sont assez énormes, et donc ce qui me permet de tuer Pyro le ouf en seulement quelques secondes, à savoir que là, ça n'a pas été un très très bon run. Si vous vous souvenez de l'époque où je faisais des speed kills, je le tuais beaucoup plus rapidement. On peut d'ailleurs, avec cette classe, le one-shot. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce Salvador Smash? L'avez-vous déjà eu? Est-ce que vous vous inspirez de cette build si vous voulez en créer un? Et le trouvez-vous utile également en mobbing? Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!